Alors bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour le quatrième débat de cette saison du cycle Controverse, donc qui questionne les idées reçues du numérique. Et ce soir, nous allons questionner la lecture sur écran. Contrairement à ce qui a été annoncé dans le programme, les étudiants du concours d'éloquence ne seront exceptionnellement pas là ce soir, mais néanmoins, nous allons avoir une excellente soirée. Et je vous laisse avec Ziad Malouf, qui va vous présenter le plateau. Merci. Bonsoir, merci d'être venu. C'est la dernière de la série de quatre controverses initiées en 2015 par la BPI et ça aurait pu être la première, étant donné que son thème et le fait que ces rencontres sont, étant donné son thème et le fait aussi que ces rencontres sont organisées par un des hauts lieux parisiens de la lecture. Petite anecdote pour commencer, j'ai passé mes années d'étudiant dans les couloirs de la Bibliothèque publique d'information, la BPI. À l'époque, c'était pas rare de faire une heure de queue avant d'entrer dans le bâtiment. Et ce que j'aimais ici, c'était la possibilité de naviguer dans les rayons, de feuilleter les livres et de choisir physiquement ceux qui répondaient à notre recherche. J'en emportais à l'époque 10, 15, 20 à ma place, qui avaient été durement acquises. Je passais des heures aussi à photocopier les passages dont j'aurais besoin après la fermeture de la BPI, qui était à 22h. Les penseurs et amateurs de l'Internet connaissent bien le principe que j'appliquais alors sans le savoir, c'est la sérendipité, c'est une recherche à la fois active et lâche qui aboutit souvent à des hasards heureux. La sérendipité, c'est l'inverse de ce que proposent les moteurs de recherche avec leurs résultats qui sont totalement sans superflu, l'inverse de ce que proposaient alors les fiches, les catalogues numériques que les autres bibliothèques mettaient à disposition pour commander des livres dans des stocks auxquels on n'avait pas accès, contrairement à la BPI. Et la lecture, c'est bien sûr un apprentissage, c'est aussi un choix, et ma relation avec la BPI était un choix de lecture. La lecture, c'est une voix qui est audible quand on le souhaite ou quand on débute à l'école primaire, qui est intérieure quand on devient grand. Cette voix intérieure, on l'incarne souvent dans nos pensées, c'est celle de l'auteur, celle du poète, celle du narrateur, celle de la narratrice. Et la voix est un objet physique, un peu comme le papier. Elle peut être aussi analogique, un peu comme l'imprimerie pour l'écriture. Qu'est-ce qu'elle devient, cette voix, quand on la numérise, l'écriture, quand on la numérise? C'est à cette question et à bien d'autres qu'on va tenter de répondre ce soir avec cette controverse. Et on va commencer par les deux plaidoyers. Je vais d'abord donner la parole à Alain Giffard. Vous pouvez vous lever. Vous êtes spécialiste des technologies de l'écrit, ancien directeur informatique de la Bibliothèque nationale de France et directeur du groupement d'intérêt scientifique culture, médias, numérique. Vous avez un micro là-bas. Alors, le principe des controverses, c'est que il y a deux plaidoyers d'abord de 10 minutes et ensuite on passe en mode de discussion, débat. Un quart d'heure, allez. Vous négociez. Bien, merci. Avant d'analyser le fond de la question, je voudrais ici, en m'inspirant d'un récent débat qui n'a pas du tout été un succès d'après ce que j'ai compris, donc j'espère que ce ne sera pas mauvais pour nous, mais qui était à la mutualité et qui était un débat qui portait sur la possibilité de faire des débats. Vous avez dû suivre ça. Je voudrais m'intéresser d'abord à la forme de la question, puisqu'on a parlé d'anatomie de l'idée reçue, avant de venir au fond même de la question. La lecture à l'écran rend idiot n'est pas une idée reçue. C'est la transposition en affirmatif d'une citation qui, dans sa version originale, est une interrogation. La lecture à l'écran rend-elle idiot? Cette question, grosso modo, est celle de Nicolas Carr. Non pas dans son livre, celui qui est le plus connu, les The Shallows, les bas-fonds, ce qu'Internet fait à notre esprit, mais dans un article précédent, Is Google making us stupid? Est-ce que Google nous rend stupide? C'est ça l'origine, c'est Is Google, est-ce que la lecture à l'écran, si vous voulez, nous rend stupide? Et je trouve que la question, même la réponse, même la forme affirmative, sont excellentes dans leur forme parce qu'ils introduisent deux choses, qui sont les deux membres. Le premier membre, c'est la lecture à l'écran. Cette formule, qui fait peut-être écho aux travaux de Souchier sur les écrits d'écran, nous parle de lecture. Et peut-être serions-nous tentés de ne plus nous étonner sur cette lecture qui se déroule dans l'environnement technique de l'ordinateur et du réseau. Eh bien, nous aurions tort, parce que le grand mérite de Nicolas Carr, c'est d'avoir réintroduit la question de la lecture par rapport au numérique,
et même d'en avoir fait la question principale du numérique, alors que cette question avait été oubliée et même occultée depuis longtemps, en particulier depuis l'apparition du web qui prétendait que la question de la lecture était résolue. Donc c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir réintroduit cette question de la lecture numérique. Il n'y a pas de véritable difficulté pour savoir de quoi on parle. On parle d'une certaine pratique de lecture appuyée sur une certaine technologie. La deuxième partie de la phrase, « rend idiot », est faussement simple. Ce n'est pas tellement idiot qui pose question. Parce que quand les gens disent ça, ils disent quoi ? Ils disent qu'il s'agit, dans l'ensemble, d'un défaut de concentration qui affecte la compréhension de ce qui est lu. Dans la phrase, on ne dit pas ce qui est lu. Hein. La phrase que vous avez reprise, on ne sait pas ce qui est lu. Donc il y a un défaut de compréhension, un défaut de concentration avec un problème de compréhension et un défaut de mémoire qui affecte l'appropriation ultérieure de l'acte de lecture. C'est grosso modo les deux points. Mais ce qui est réellement important, c'est à la fois l'objet visé par le rendre idiot et le mouvement même, le processus du rendre idiot. En quoi ça consiste, rendre idiot, et qui est rendu idiot ? Alors, qui est rendu idiot d'abord ? C'est vous, c'est moi, mais c'est qui en espèce ? C'est le lecteur qui est rendu idiot. Hein ? La lecture à l'écran rend ou rendrait idiot le lecteur. Et donc, le deuxième grand mérite de Carr, c'est d'avoir fait revenir la lecture vers une approche orientée lecteur. Pour les grands théoriciens de la lecture, et à dire vrai pour tous les gens un peu sérieux qui travaillent de manière approfondie sur la lecture, il y a deux retournements que nous faisons par rapport au sens commun. Le premier retournement, c'est par rapport au texte, à l'écrit, ou par rapport à son support, le livre, le manuscrit, le numérique maintenant, passer de l'écriture à la lecture, de l'écrit à la lecture. Ne pas penser que la lecture est strictement déterminée ni par le texte, ni par son inscription matérielle dans un support ou un autre. Et puis le deuxième retournement, c'est de regarder la lecture du point de vue de son sujet, du point de vue du lecteur, et particulièrement du point de vue de sa subjectivité. C'est regarder la subjectivité particulière d'une catégorie particulière de personnes, qui est le lecteur. C'est le point de vue de Ricoeur quand il fait allusion à l'implication du lecteur, à l'appropriation, et c'est le point de vue de ce très beau texte de Proust dans lequel il explique que la lecture est la préparation à la vie de l'esprit et où il fait cette distinction que tu as un peu rappelée tout à l'heure entre les lectures de jeunesse et les lectures suivantes. Donc le rendre idiot, c'est le processus dans lequel le lecteur s'individue à travers la pratique et la technique de la lecture à l'écran, ce que le philosophe Simondon appelle la transindividuation, le lecteur et le dispositif technique, et c'est ça ce qu'on regarde. On ne regarde pas ce que d'autres spécialistes appellent l'acte de lecture. L'acte de lecture nous intéresse pour autant que nous essayons d'en comprendre les effets, non seulement dans l'immédiat, mais aussi dans le plus long terme, sur le lecteur lui-même. Alors donc, je trouve que c'est bien formulé. Si on le voit comme ça, c'est bien formulé et ce n'est pas une idée reçue. J'en viens maintenant au contenu, avec une suite de propositions, j'en fais quatre. La première, c'est que ce n'est pas la lecture à l'écran qui est à l'origine des difficultés de la lecture classique de l'imprimé. On connaît ça assez bien maintenant. En France, on sait assez précisément le moment, c'est vers 1990 qu'apparaît, appelez ça comme vous voudrez, les difficultés, la crise, le déclin de la lecture classique de l'imprimé, qui est une crise à la fois quantitative, qui est mesurée par l'étude sur les pratiques culturelles des Français que fait le ministère de la Culture, et qui est une crise qualitative, qui est mesurée par l'éducation nationale à travers le déclin du savoir-lire. Alors là, ce n'est pas spécifiquement français. On peut chipoter pour savoir si les Français baissent ou montent par rapport à la moyenne, mais la moyenne partout dans le monde de ces performances de lecture, et donc du savoir-lire, est en baisse. Il n'y a guère qu'un seul philosophe qui, à ce moment-là, dénonce cette situation, c'est Guy Debord qui le dénonce dans les commentaires sur la société du spectacle. La conséquence, c'est que dans cette situation de dégradation du savoir-lire et de l'exercice de la lecture, que survient la lecture numérique. Autrement dit, il y avait, en tout état de cause, des difficultés à attendre du côté de la pratique de la lecture à l'écran.
La lecture numérique n'est pas arrivée en 46 ou en 47. Ça aurait été génial qu'elle se fasse à l'époque du Memex, au moment où tout le monde apprenait à lire, où tout ça se passait très bien, où les nations étaient unifiées autour d'une continuité autour de la lecture. Non, elles arrivent au moment où déjà en interne, la lecture classique de l'imprimé s'est effritée. Deuxième point, la lecture à l'écran ne remplit pas ce que j'ai appelé le cahier des charges de la lecture classique sur le plan technologique. Il y a trois grandes logiques, si vous voulez. La première, c'est que la surcharge cognitive, sur ce quoi travaille notre collègue Thierry Bassino, qui est au lutin comme Esposito, oubliez ici le multitâche et oubliez l'hyperattention, ça n'a pas sa place ici par rapport à la lecture. La surcharge cognitive a deux effets. Une difficulté pour se concentrer, pour comprendre le texte, ce qui va créer une sorte de boucle. J'insiste sur cette boucle. Surcharge de l'attention. Surcharge cognitive. Difficulté de l'attention. Difficulté de se concentrer. Difficulté de comprendre le texte. Et comme en Occident, comme dans notre société, la discipline qui permet de maîtriser l'attention, c'est la lecture. On a une boucle qui se fait dans la difficulté à se concentrer et à maîtriser son attention. Deuxièmement, difficulté de la mémoire, je dirais aux deux pôles. Le pôle de la mémoire enregistrement, de la memoria, et le pôle de l'anamnèse, c'est ce que Marianne Wolf a étudié. Bon, elle se mesure par exemple aux difficultés à lire de gros textes. Les gens disent « j'arrive plus à lire des grands livres ». Mais ce qui est en jeu ici fondamentalement, c'est le lecteur, sa mémoire, sa subjectivité de lecteur, et finalement la perspective de la lecture comme technique de soi. Si je n'arrive pas à mémoriser convenablement mes différentes lectures, je ne développe pas ma subjectivité de lecteur, je ne sais pas réutiliser tout ce que j'ai fait dans d'autres circonstances. Voilà, c'est assez simple, et ça, c'est la question de la mémoire. Entre les deux, entre la difficulté à se concentrer et la difficulté à constituer une sorte d'art, à garder une sorte d'art de mémoire de lecteur, il y a la difficulté, c'est le troisième point, à combiner la lecture, problème de lisibilité, les problèmes de compréhension, et la réflexion, ce qu'on appelait classiquement la méditation. Il y a un triangle, lectio, memoria, meditatio, lecture, mémoire, réflexion, si vous voulez, pour traduire en français, qui est le triangle classique qui a été inventé par Augustin et qui ne fonctionne plus maintenant dans le cadre de la lecture numérique. Donc elle ne remplit pas le cahier des charges de la lecture classique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien. Mais elle ne peut pas se substituer à la lecture classique. Troisième point, cette insuffisance de la technologie de lecture à l'écran n'est pas accidentelle, elle est structurelle. Si elle était accidentelle, on dirait qu'il faut travailler un peu plus. Bon, mais elle est structurelle. Puisque la lecture à l'écran s'est développée selon ce que j'ai appelé la lecture industrielle. Par lecture industrielle, je veux désigner une nouveauté radicale qui comprend différents points. Exemple de nouveauté radicale, l'apparition des robots de lecture, l'apparition des machines de lecture qui font des actes de lecture que certains lecteurs, précisément parce que leur savoir lire n'est pas en très bon état, confondent avec les actes de lecture des humains. Mais ce n'est pas simplement ça. Essentiellement, les lectures industrielles, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Pensez à Google. C'est pour ça que la question d'origine, c'est est-ce que Google nous rend idiots ? Bon, Google nous rend idiots, nous rendrait idiots par un mécanisme qui est que le système de Google, c'est l'économie de l'attention, ce que les économistes appellent l'économie biface, économie de plateforme, mais n'entrons pas dans le détail, c'est-à-dire qu'il s'agit de revendre non seulement les lectures, chaque acte de lecture, mais les lecteurs, les profils de lecteurs, au marketing. C'est comme ça que marche Google, c'est comme ça que Google se finance. Bon, et donc, évidemment, l'idée d'une lecture attentive, soutenue, organisée, c'est le contraire même de ce que veut Google, puisque la lecture, c'est ce à partir de quoi Google nous prend pour nous emmener ailleurs. C'est une captation de notre attention dans le courant de la lecture. Donc c'est structurellement que ces technologies ne sont pas développées de telle sorte à pouvoir remplacer à satisfaire à ce cahier des charges de la lecture classique. Donc il faut relativiser ce qui nous passionne, parce qu'on est là-dedans, les débats sur la technologie, les débats sur l'interface. Malheureusement pour nous, on est quand même très, très déterminé par l'économie et par ces lectures industrielles. Alors, pour finir, une différence avec Nicolas Carr, il y a un plaidoyer, un vrai, pour l'unité de la lecture.
Bon, c'est peut-être un peu compliqué, donc j'essaierai de poursuivre plus tard. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est une situation de pluralité de lecture. La lecture numérique ne peut pas se substituer à la lecture classique. Pour autant, on ne peut pas être dans un soi-soi, soit tu prends ça, soit tu prends l'autre, c'est ou l'un ou l'autre, qui ne pourrait conduire qu'à une fragmentation des lectures et à une polarisation des lecteurs dont les effets sont déjà là. Je fais partie, je l'avoue, de ceux qui considèrent qu'il y a déjà, grosso modo, une génération qui a été abandonnée sur le bord de la route par la manière dont les affaires ont été conduites de ce point de vue-là. Il faut un modèle, une architecture d'ensemble de la lecture qui, à mon sens, devrait inclure, ce sur quoi je travaille personnellement, un art de la lecture numérique. Cet art peut être lui-même pluriel. On peut imaginer qu'il ait une version minimale pour les décroissants, hein, c'est-à-dire je me sers de mon téléphone portable pour une lecture de communication, c'est utile. Ta mère est à l'hôpital, bah, c'est bien de le savoir, on le sait par un SMS. Voilà. Et on va s'arrêter là et on n'ira pas plus loin. Et puis de l'autre côté, on peut imaginer un art qui soit lui, qui recherche à élever la lecture numérique au niveau de ce que j'ai appelé tout à l'heure le cahier des charges de la lecture classique, c'est-à-dire au niveau de la concentration, au niveau de la relation avec la réflexion, au niveau de la constitution de la mémoire du lecteur. Pour la lecture numérique, les points clés, c'est ma dernière phrase, sont les suivants. La maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise en particulier de l'attention, ce qui passe par l'auto-limitation et par la notion d'exercice. On s'exerce à la lecture numérique. Il faut sortir de la consommation de la lecture numérique et il faut entrer dans l'exercice de la lecture numérique. Moi, je travaille à fabriquer, et j'enseigne ou je forme à partir d'exercices de lecture numérique pour que les gens se rendent compte des processus qui sont en œuvre quand ils font de la lecture numérique. Donc, auto-limitation, y compris pour la concentration. La relation lecture-réflexion, la vieille relation entre la lectio et la méditation, et enfin l'organisation de la mémoire du lecteur, parce que c'est ça qui est fondamental. La question posée, c'est quel type de subjectivité, pour quel type de citoyen, quel type de personne, et ainsi de suite. Voilà, j'ai fini. Merci, on peut vous applaudir. Merci. On va donner la parole à Nicolas Esposito. Nicolas, vous êtes docteur et ingénieur, responsable du laboratoire Ergo Design. On expliquera peut-être ce que c'est, peut-être après le plaidoyer ou pendant. Un laboratoire qui est spécialisé dans l'expérience utilisateur. Vous avez donc 10-15 minutes pour nous exposer vos idées. Installez-vous. Oui, donc je suis Nicolas Esposito. Effectivement, je m'occupe d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Ergo Design Lutin-Gobelin. Donc en relation avec, d'une part, le laboratoire Lutin qu'a cité rapidement Alain, et en relation avec l'école des Gobelins, où je suis enseignant-chercheur et responsable de la recherche. Et je suis ravi ce soir d'échanger avec Alain Giffard, notamment dans la mesure où j'apprécie particulièrement son travail, notamment de la formulation de la notion de lecture industrielle, qui effectivement me semble tout à fait pertinente. Il reprenait là l'exemple de Google qui vend des lecteurs, et j'imagine que ça, c'est un exemple qui vous parle de manière assez forte, et effectivement qui peut déclencher des réactions. On se dit qu'il faut lutter contre cet aspect-là. Et Ziad, tu faisais référence à mon domaine qui est l'expérience utilisateur. Dans ce domaine, principalement, on s'intéresse à la perception de l'utilisateur, et dans le cadre de la lecture, donc, on va s'intéresser à la perception du lecteur, donc à son action de lecture et aux processus cognitifs qui sont liés à ça, à son ressenti, à son appréciation. Et on va pouvoir prendre en compte un certain nombre de dimensions de cette expérience utilisateur, comme la compréhension, la mémorisation, l'apprentissage, etc. Et au sein du laboratoire Ergo Design Lutin Gobelin, on travaille à l'évaluation de cette expérience utilisateur. Et pour cela, on réalise une évaluation et on mesure l'adéquation d'un dispositif avec les personnes à qui ce dispositif est destiné. On le réalise par le biais de tests utilisateurs, et tout à l'heure, je parlerai
d'un certain nombre de tests qu'on a réalisés et qui nous enseignent pas mal de choses justement sur les directions à prendre en termes de lecture du numérique. On a réalisé là sur les deux années disons qui se sont écoulées quasiment une centaine de tests utilisateurs qui consistent donc à faire venir des participants dans notre labo, à faire dérouler un petit scénario et à recueillir un certain nombre de mesures ainsi que leurs ressentis. Et un certain nombre de ces tests étaient liés précisément à la lecture numérique. Donc c'est pour ça que je vous en dirai deux mots, soit dans le cadre de projets de recherche et de développement, soit dans le cadre d'une formation qu'on a qui est liée à la publication de contenu numérique. Donc pour résumer très rapidement le point de vue que je vais développer aussi assez rapidement, je dirais que la controverse dans laquelle nous sommes par rapport à la question de départ, c'est que je vais répondre à Alain, oui, mais. Voilà, donc je vais développer maintenant. En tant que concepteur, donc en tant qu'auteur, auteur-concepteur, on pourra détailler un petit peu tout à l'heure, on peut principalement se poser la question, comment faire un dispositif qui soit pertinent pour les lecteurs, pour les utilisateurs. Et un point fort que je voudrais développer là avec vous aujourd'hui, c'est qu'on peut se poser une deuxième question qui va un petit peu plus loin, pas forcément par exemple dans le domaine du marketing, comment je vais faire pour que ce que je propose à mes utilisateurs soit le plus rentable possible, mais au contraire, une autre question qui serait vers quelle société nous voulons aller. En tant que concepteur, on peut se poser cette question et donc on peut introduire dans ce qu'on produit, dans ce qu'on propose à des lecteurs, à des utilisateurs, un certain nombre d'orientations. Alors, Alain, tu parlais de Thierry Bassineau, qui effectivement a beaucoup travaillé au laboratoire Lutin sur la lecture du numérique. Et ce que je vous propose, c'est de prendre quatre points qu'il liste assez souvent pour distinguer la lecture sur écran et la lecture papier. Finalement, pour répondre à la deuxième partie, du coup, je pense qu'on va aussi être complémentaire par rapport à ça, la deuxième partie de l'intitulé de la séance qu'on est en train de faire, c'est-à-dire l'anatomie d'une idée reçue. Alors, on va peut-être pas se pencher sur le débat, est-ce que c'est une idée reçue ou pas, on va simplement se focaliser sur l'aspect anatomie. Alors, voilà, faisons la différence entre la lecture papier et la lecture écran. Thierry Bassineau commence son premier point par la lumière. Sur le papier, on a une lumière qui est celle du lieu dans lequel on est. Sur un écran, là j'ai mon chrono qui tourne, ça serait pas mal que je le vois. La lumière est émise par le dispositif. Il me reste 9 minutes 47. Alors, en général, c'est ça. En même temps, en tant que concepteur, on peut faire des choix de couleurs qui vont limiter un certain nombre de problèmes qu'on peut avoir par rapport au fait qu'un écran produit de la lumière. On en rediscutera tout à l'heure. En tant que lecteur, je peux choisir finalement de ne pas lire sur un dispositif avec un écran qui fait de la lumière, mais lire sur une liseuse avec un écran qui n'émet pas de lumière. Je peux aussi faire un certain nombre de réglages qui vont limiter les problèmes liés à cette lumière qui est émise par mon écran. Deuxième point, le mode de présentation. Sur du papier, on va avoir une page, on va la tourner, donc on va être sur une présentation statique. Sur un écran, typiquement le web, on va faire défiler du contenu. Encore une fois, on n'est pas forcément dans ce cas en permanence. On peut, en tant que concepteur, en tant qu'auteur, prévoir un contenu qui va s'afficher page par page. Et même en tant que lecteur, si on reprend l'exemple de la page web, on peut la faire défiler non pas pixel par pixel, hein, ou presque, mais la faire défiler écran par écran. C'est tout à fait possible pour peu qu'on sache le faire. Et c'est vrai que là, on rejoint une question de compétence qui est très liée à la conclusion d'Alain sur le point sur lequel je le rejoins tout à fait. Troisième point, le type de lecture. Sur un livre papier, typiquement, on va avoir une approche linéaire, même si ça se discute, alors que sur le numérique, on va plus facilement avoir une lecture non linéaire, qui peut potentiellement poser un certain nombre de problèmes.
À partir de là, on peut se dire, évidemment, encore une fois, que ce n'est pas forcément le cas. En tant que concepteur, en tant qu'auteur, on peut même, sur un support numérique, prévoir une lecture totalement linéaire. On peut même protéger l'environnement, proposer un contenu en plein écran pour ne pas avoir l'heure en permanence des notifications qui arrivent, etc. Ensuite, un quatrième point, la source d'information. Sur un livre, on va avoir du texte, des images. Sur un support numérique, on peut, on n'est pas obligé, mais on peut aller au-delà avec du multimédia, donc potentiellement des vidéos, du son, des interactions, des mécaniques ludiques, etc. Encore une fois, ce n'est pas forcément le cas. On peut très bien, justement, doser suffisamment les différents composants pour ne pas aller dans la surenchère et s'adapter en fonction du contenu qu'on veut faire passer. Et par ailleurs, en tant que lecteur, on peut très bien, sur la base d'un contenu non linéaire, avoir une approche linéaire. On peut organiser une lecture linéaire d'un contenu qui ne l'est pas forcément. Ça demande un travail, effectivement, encore une fois, un certain nombre de compétences, mais c'est tout à fait envisageable. C'était les quatre points qui sont souvent cités comme ça par Thierry Bachineau pour faire la différence entre le papier et l'écran. On pourrait continuer, et on pourrait continuer notamment sur le sujet de la charge cognitive qu'a évoqué Alain tout à l'heure. Effectivement, on peut se dire que d'un côté, on va avoir quelque chose d'équilibré, le livre, qu'on maîtrise sur le plan cognitif, et à l'opposé, dans le monde du numérique, je touche mon écran pour pas qu'il s'éteigne, pour voir qu'il me reste 6 minutes 12, un affichage surchargé, on va être submergé par l'information et on va potentiellement perdre le fil. Et voyez, la raison pour laquelle je suis passé en mode... avion pour être sûr de ne pas être dérangé. Et là, j'ai fait un choix pour ne combattre finalement un effet qui pourrait me poser problème. Donc, quelle est par rapport à ça la position que je viens de défendre ? La position que je viens de défendre, c'est de dire on n'est pas forcément dans le cas qui est le plus problématique. Il y a des approches ergonomiques, des approches typographiques qui permettent, par exemple, de lutter contre le syndrome de vision sur ordinateur, notamment avec la fatigue visuelle. On a aussi des approches de conception. Vous m'avez souvent entendu dire auteur-concepteur et inversement. Des approches de conception qui nous permettent de contrecarrer les problèmes qu'on pourrait avoir. Et donc, globalement, ma position consiste à dire que la lecture numérique, et peut-être même qu'Alain serait d'accord avec moi, n'est pas forcément une lecture industrielle. Ce n'est pas parce qu'on a affaire à un écran que c'est automatiquement de la lecture industrielle. Et donc, La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait ? Alors, c'est là où je vous présente quelques exemples issus des tests qu'on a menés. Je vais en citer 5, juste en reprenant le concept et ce que ça nous a enseigné. Premier exemple, du contenu avec des images du texte qui présentent une technologie, mais les utilisateurs qui n'arrivent absolument pas à s'en servir, à consulter, à arriver au bout, parce qu'il y avait des gros problèmes de typographie, des phrases écrites en majuscules, en noir sur fond vert, et puis des interactions dans les pages qui sont très difficiles à comprendre. Résultat, ça a énervé en fait, très concrètement les participants. Et ce que ça nous a montré, c'est que dans ce cas précis, la question typographique et la question interactive n'avaient pas du tout été approfondies et c'était effectivement très problématique dans la mesure où c'était principalement de la typographie et des interactions au niveau de la forme que ça prenait. Deuxième test dont je peux vous parler, une plateforme d'accès à du contenu, donc une plateforme permettant de faire de la lecture numérique, passant d'un modèle reprenant les modes de représentation précédents, typiquement
l'accès à l'information par rapport à des étagères dans lesquelles on peut piocher du contenu, donc une représentation physique, même en 3D, à un modèle beaucoup plus informatique avec des catégories dans lesquelles on peut faire des recherches. Et ce que nous a montré ce test, c'est que la plateforme, en évoluant de cette manière-là, c'est finalement basé sur les acquis des utilisateurs qu'on peut mesurer finalement au fur et à mesure des années, des décennies. Et à ce moment-là, ça veut dire que, de manière globale, les compétences montent et on peut se baser sur un certain nombre d'acquis. Donc ça, c'est un élément intéressant. Troisième test dont je peux vous parler très rapidement, aller au-delà du papier en termes de notes de bas de page, typiquement. On a un livre, on en fait une version numérique, on se dit qu'on peut aller au-delà en rajoutant beaucoup plus de notes de bas de page que ce qu'on a, en rajoutant aussi potentiellement des illustrations, éventuellement d'autres fonctions. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, finalement, est-ce qu'il y en avait trop ? Est-ce que ça a été une surcharge ou est-ce que ça a pu être maîtrisé ? Et donc là, c'était intéressant de voir comment cette difficulté d'avoir beaucoup d'informations était gérée sur le plan de l'interface et comment c'était ressenti auprès des utilisateurs. Quatrième, au niveau de la représentation de texte sur le plan typographique, pour des personnes qui ont besoin de communiquer au téléphone ces informations, typiquement des téléconseillers. Et on a vu qu'avec différentes propositions, on pouvait faire varier l'affichage de manière dynamique, de manière graphique, pour que les téléconseillers soient plus efficaces dans leur communication et dans leur lecture finalement de l'information. Et dernier exemple dont je voulais vous parler rapidement avant ma conclusion, c'était un test qu'on a fait il y a environ 2 ans maintenant, d'un livre enrichi, un livre pour enfants, qui a été enrichi avec en particulier des mécaniques ludiques. Donc dans le livre, en fait, il y avait des petits jeux. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout intéressant pour les enfants qui n'étaient pas joueurs. Et donc, ils ne regardaient même pas. Et au contraire, les enfants qui étaient joueurs, eux, se focalisaient dessus et finalement se détournaient de l'histoire. Et donc, les deux publics, finalement, étaient déçus, puisque les enfants non joueurs auraient préféré un livre, les enfants joueurs auraient préféré un jeu vidéo. Et donc, on s'est rendu compte que la dimension ludique court-circuitait la dimension narrative. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que il fallait complètement réorienter l'approche et mettre les interactions ludiques au service de la narration, donc qu'il fallait orchestrer les dimensions. Donc le contenu numérique était plus compliqué et donc il fallait penser cette complexité et ne pas la laisser temps écouler, ça y est. Donc je conclue. Ma conclusion, elle tient en 2 points que je vais très rapidement illustrer. Le premier qui rejoint finalement la conclusion d'Alain, c'est que il faut avoir les compétences nécessaires pour le numérique. Je vais revenir dans mes petits exemples. Et en tant qu'individu, par rapport au développement de la lecture numérique, on doit agir, par exemple, agir contre la lecture industrielle. Donc je termine avec ces quelques petits exemples. Donc j'avais commencé une liste et puis je me suis dit il faut absolument que je l'arrête, sinon je vais trop déborder. Par exemple, en tant qu'auteur, on peut travailler avec un concepteur. En tant que concepteur, on peut proposer des dispositifs évidemment pertinents pour les utilisateurs, mais aussi se demander comment on va inclure la vision de la société qu'on souhaite pour la lecture numérique. Ensuite, en tant qu'utilisateur, on peut choisir ses dispositifs, matériel, logiciel, service. On peut choisir ses propres réglages. On peut choisir le mode le plus adapté, la lecture concentrée sur l'écran, par exemple, dans un navigateur, ou alors le passage en plein écran. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut les connaître. Ça rejoint l'aspect compétence. En tant qu'acheteur, on peut acheter certaines choses plutôt que d'autres. En tant qu'observateur, on peut participer aux discussions, dire quel modèle de lecture numérique on veut. En tant qu'entrepreneur, on peut créer une activité qui aille dans le sens qu'on souhaite défendre. En tant qu'électeur, évidemment, on peut choisir des programmes politiques correspondant aux idées qu'on souhaite voir concrétisées.
ce qui nous amène aux hommes et aux femmes politiques qui vont développer ces programmes. On a ensuite, par exemple, les enseignants qui doivent transmettre les savoirs de manipulation du numérique. Ça, c'est évidemment un enjeu fondamental, tout comme l'accompagnement des parents qui doivent eux-mêmes être compétents pour aider leurs enfants à acquérir ces compétences. Je termine par un exemple. Récemment, il y a une structure journalistique qui s'est créée et qui propose par courrier électronique une synthèse de l'actualité en allant à l'encontre finalement de tout ce qu'on a pu voir sous l'angle de ce qu'on pourrait appeler la rédaction web. Il y a des livres, par exemple, qui s'intitulent « Comment bien écrire pour le web ». Et en fait, on vous dit « Comment bien écrire pour le web », sous-entendu « Comment bien écrire pour Google », sous-entendu « Comment être bien référencé », »,« Comment ramener du monde sur votre site », »,« Comment bien vendre de la publicité ». Mais là, à ce moment-là, évidemment, on oublie complètement le lecteur et on s'écarte de ce qu'Alain décrivait comme une approche orientée lecteur. Et donc l'initiative journalistique dont je parle, qui envoie ce courrier électronique tous les jours avec la syntaxe d'actualité, va à l'encontre de ça en proposant... Comment ? Brief me. Ah mince, comment tu le sais ? J'avais pas donné de nom jusque-là, mais voilà. Et donc il y a juste à chaque fois, il y a juste un lien, pas plus, vers une source d'information complémentaire. Donc le mot de la fin, c'est que c'est à nous finalement de choisir la lecture numérique que l'on souhaite avoir et d'agir en conséquence. Voilà. Merci, bravo. Allez. Je suis assez impressionné par ce sujet. Moi, c'est un sujet que je maîtrise assez peu et je me suis dit... peut-être avant de parler de lecture, on pourrait commencer par parler d'écriture. Parce que tu viens de l'évoquer, Nicolas, donc il y a des manières d'écrire. Aujourd'hui, il y a des cours pour les journalistes, tu parlais des journalistes, où on va leur dire comment écrire pour Google, mais on peut même aller avant. De plus en plus, si ce n'est presque tous les écrivains ou les personnes qui écrivent des textes, écrivent avec des machines. On s'interroge peu sur ça. On s'interroge sur la manière dont ça va être lu et sur la pertinence de lire avec ou sans machine, mais finalement, les machines sont déjà là aussi au moment de l'écriture. Qui souhaite déjà dire quelques mots sur ça, Alain ? C'est trop hors sujet ou pas ? C'est complètement hors sujet. C'est même la plus mauvaise façon de prendre le sujet, mais c'est une façon traditionnelle. Et quand on travaille sur la lecture, on commence toujours par... Il y a toujours quelqu'un qui dit ça. Et on commence toujours par lui dire non. Et non, non, c'est pas parce qu'on aura beaucoup progressé sur cette question de l'écriture ou sur cette question de la publication qu'on aura compris la question de la lecture. Ceci dit, il y a de grandes réalisations qui se font à partir de ce qui m'apparaît, moi, comme une pure malfaçon. Bon, j'en donne une, c'est le web. Avant le web... Il y avait quelque chose qui se développait qu'on appelait l'hypertexte. Et le modèle de la lecture informatique, de la lecture numérique, c'était la lecture hypertextuelle. Cette lecture hypertextuelle était censée rompre avec la lecture classique du livre imprimé parce qu'elle proposait différents parcours de navigation et qu'on n'était pas dans l'ordre du purement continu et du purement linéaire. Mais la lecture hypertextuelle, quel sens elle avait ? C'est que c'était le lecteur qui mettait ses propres parcours dans le texte qu'il lisait. Donc c'était le dispositif, qu'il soit au niveau du médium ou au niveau du texte, permettait au lecteur de mettre ses propres parcours pour pouvoir regrouper la lecture de tel morceau de texte avec tel autre morceau de texte, avec des commentaires, avec des notes qu'il avait prises. Donc, la lecture hypertextuelle, non pas l'hypertexte, mais la lecture hypertextuelle était un moyen pour constituer la mémoire du lecteur. Bon. Est arrivé le web, et Tim Berners-Lee, qui par ailleurs est un homme admirable, a dit HTML, c'est le système qui permet de produire des sites web, comme on dit, donc Hypertext Markup Language, c'est read-write. Tim Berners-Lee, l'inventeur, disait... Non seulement je permets de lire, mais je permets aussi d'écrire. Mais il ne permettait pas de lire. Il n'y a pas de fonctionnalité de lecture sur le web. Le web est purement orienté
écriture et publication. D'ailleurs, il l'avait conçu comme un système de publication de textes scientifiques. Et lorsque je donne des cours de lecture numérique, je dis, si le web avait été conforme à l'hypertexte précédent, on aurait la possibilité de mettre nous-mêmes, les lecteurs, des liens entre les différentes parties. Voilà. Donc quand on parle de technologie de lecture, on parle de ça. On ne parle pas de ce qui se fait avant en écriture, en publication. Évidemment, il y a un lien. Mais néanmoins, le principe par lequel on doit partir, que Esposito a souligné, c'est le principe de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Tu proposes un hypertexte, ça ne va pas empêcher les gens de lire en continu. Tu proposes un texte en continu, ça ne va pas empêcher les gens de faire de l'hypertexte. Tu vois, c'est-à-dire que le lecteur, c'est d'ailleurs ici à Beaubourg, les sociologues avaient commencé à montrer ça, à la BPI, ils avaient montré que, de toute façon, quelle que soit l'organisation de la bibliothèque, les lecteurs déroutaient les lecteurs. Bah, tu faisais référence aussi un petit peu à ça. Ils détournaient le dispositif. Le lecteur, fondamentalement, c'est ça. C'est pas quelqu'un. On comprend la lecture quand on comprend que le lecteur est autonome. Bon, il a un rapport. Évidemment, avec le texte et le support, mais il est autonome par rapport à ce qui est prévu par l'auteur et par le publicateur. Et un système qui marche bien, et je m'arrête là parce que je suis trop long, et un système qui marche bien, c'est un système dans lequel, au niveau global, l'ordre des textes et l'ordre des supports, par exemple l'ordre des livres, se combine bien avec l'ordre des lectures. Hein ? Par exemple, au XIIe siècle, à un moment donné, on va être capable d'inventer, hein, le passage de l'un à l'autre. Au moment de la Renaissance, on est capable de l'inventer avec la typographie. Donc on va inventer un système dans lequel ce qui est du côté écrit correspond à quelque chose du côté lecture. Justement, ça explose des deux côtés. Une petite question avant de donner la parole à Nicolas. Si on avait inventé le web en pensant au lecteur, ça aurait ressemblé à quoi ? Ça aurait ressemblé à ce qui était dans les cartons partout. C'est-à-dire, hein, concrètement, concrètement, on aurait eu... aussitôt après le web, si vous vous en souvenez, il a fallu inventer un navigateur. Hein, ça a été Mosaïque qui a été inventé tout de suite. Ce navigateur, c'est la traduction française. Et le mot anglais, c'est browser, hein, c'est-à-dire feuilleteur. Donc on avait bien ça en tête. Hein, on avait bien ça en tête que le web existait, donc il fallait faire quelque chose de plus pour le lire. Bon, c'est l'hommage du vice à la vertu, si j'ose dire. Hein. Le feuilleteur, c'est pratiquement rien. C'est un truc qui permettait juste. Il aurait suffi d'agréger à ce feuilleteur des fonctionnalités qui auraient permis de créer des parcours de lecture, qui auraient permis de faire pour soi-même le genre de boulot que Google fait de manière industrielle, mais on l'aurait fait pour nous-mêmes sur les textes sur lesquels on travaille, et puis un système, une base de données qui nous aurait permis de stocker les traces de nos lectures, les traces des annotations, hein, tu faisais référence aux annotations. L'annotation est une fonctionnalité centrale, elle a été isolée depuis 48-49 hein, dans ce projet de la lecture numérique. Et voilà, donc tu as un paquet qui était à la Bibliothèque de France, tu faisais référence. Nous, on avait un projet de logiciel qui allait en ce sens-là, mais on était loin d'être les seuls. Partout dans le monde, ça existait. Mais ça a été ruiné technologiquement par le web, et surtout à partir du moment où le web a été capté par cette économie de l'attention qui, du coup, a stérilisé ce qui pouvait se faire du point de vue de la lecture, puisque c'est pas très compliqué. C'est comme un type qui est dans une galerie commerciale et il veut t'emmener d'un magasin à un autre. Bah, il te laisse pas le temps de fouiller dans le rayon où t'es, quoi. Nicolas, un mot sur ce sujet, ouais. Oui, bah, sur ce sujet, je pense que ça rejoint principalement le sujet des compétences, hein, et donc l'évolution des compétences par rapport à l'évolution des modes de lecture. Et si on a la possibilité de passer d'un lien à un autre de manière totalement libre, on va effectivement pas forcément le faire. Et si on a les compétences pour maîtriser sa navigation, on va orchestrer son parcours et profiter de la richesse qui nous est proposée. Mais effectivement, ça demande du travail à tous les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Okay. Et juste ouais. Un point, je pensais que quand tu posais la question, Alain allait répondre sur le écrire sans savoir écrire. Ça aurait pu être une autre... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que on peut aussi parler de la bascule dans la culture du remix et du fait d'écrire pas lettre après lettre, mot après mot, mais d'écrire sur la base de collage, sur la base de traduction automatique, sur la base d'un certain nombre d'algorithmes.
Et à ce moment-là, on peut se poser la question, mais finalement, quel est le seuil à partir duquel on va déterminer qu'il y a un acte réel de lecture ? Et c'est là où la question devient forcément très compliquée. Par exemple, est-ce que écrire à la machine ou écrire avec un ordinateur, c'est vraiment écrire dans la mesure où on ne trace pas les lettres ? Ça rejoint des questions qu'on se pose par exemple pour la musique. Si on compare un piano où on a juste appuyé sur une touche et un violon où il faut faire la note avec son doigt, dans quelle mesure l'un fait de la musique par rapport à l'autre ? Et ensuite, si on utilise un synthétiseur, si on colle des sons les uns par rapport aux autres sur un ordinateur, est-ce qu'on fait toujours de la musique ? C'est une question qui est parfois posée, mais à chaque fois, on retombe sur cette question du seuil, à partir de quand on peut dire si oui ou non on fait véritablement de la musique, à partir de quand véritablement on écrit ou pas. Excuse-moi, juste pour continuer sur ce, en revenant à la lecture, la lecture sans aucun savoir lire, c'est-à-dire sans même le savoir lire minimal, elle est pour demain. Hein. C'est-à-dire que c'est pour demain qu'on pourra s'envoyer des textes qui seront immédiatement convertibles en fichiers audio. Hein. C'est déjà voilà. Le cas, en fait. C'est déjà le cas. C'est des fonctionnalités des téléphones que les gens n'utilisent même pas parce que c'est pratiquement le cas. Mais on pourrait penser que ce soit du point de vue que les usages soient industrialisés. Pour le moment, ils ne sont pas encore industrialisés. Bon. Et donc, on peut très bien penser que les gens qui ont des difficultés à lire se disent bon, pourquoi s'embêter ? J'appuie sur le bouton et puis le texte, je vais l'écouter. Je vais simplement l'écouter. Justement, après l'écriture, autre porte d'entrée pour la lecture, l'apprentissage. Là, c'est pas hors sujet, c'est pas une mauvaise porte d'entrée, j'imagine. Non, pas du tout, au contraire. L'apprentissage, celui des machines, parce que ça, c'est un apprentissage qu'on oublie beaucoup, ou qui est fait un peu naturellement à la maison, maintenant, avec les enfants qui jouent naturellement avec les téléphones, les tablettes, etc. Et l'apprentissage de la lecture tout court. Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là ? Est-ce que c'est un des éléments qui explique le fait que, en France, tu l'as mentionné, mais je ne sais pas si tu as donné le chiffre, c'est quoi ? C'est 12% de la population qui lit régulièrement des livres, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? Alain ? Oui. Ce qui est important, c'est les résultats qui sont traités par pour le savoir lire, hein, qui sont donnés par les militaires au moment de la journée, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, ce qui remplace les trois jours, oui. Où là, on constate que à côté de petites fractions d'illettrés graves, de gens qui ont beaucoup beaucoup de difficultés, on a une proportion très importante, hein, puisque c'est quasiment 30%, les trois confondus, pardon, font quasiment 30% de gens qui ne sont pas au niveau du CM2. Hein. Et or, quand on les prend à 19 ans, hein, et à 19 ans, ça fait la belle lurette que le CM2 est derrière. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'un effritement du savoir-lire. Bon. Alors ta question, elle est vraiment multiforme. Il y a de véritables grosses difficultés pour arriver à penser en même temps pour le plus jeune âge. Et là, on ne parle pas des problèmes d'addiction, on ne parle pas de ces parents fous qui mettent des casques sur des bébés. Il paraît qu'il y en a, je ne sais pas quoi, je voyais ça à la télé il y a deux jours, là, je ne sais plus combien, qui mettent des casques sonores sur des bébés de 4 mois ou 5 mois. Bon, on oublie ça. On oublie qu'il y a des gens comme ça. On parle de on se dit qu'on a des concitoyens qui se comportent, disons, normalement, en faisant pas, en essayant un peu de réfléchir à ce qu'ils font. Il y a une vraie grosse difficulté de conception intellectuelle sur la possibilité de conduire l'apprentissage de la lecture classique, hein, comme on a appris, le codage du phonème et du graphème et ainsi de suite. Bon. Et de l'autre côté, l'apprentissage l'initiation. Ce que pourrait être l'initiation à la lecture numérique. Parce que sur le papier, ce n'est pas tellement compliqué, puisqu'on apprend à coder le phonème et le graphème, on pourra en même temps apprendre à le coder avec toutes sortes d'autres choses, hein, d'expliquer aux enfants. Hein. En réalité, là, on en est vraiment au balbutiement à peu près partout. Mais je rappelle que sur un sujet aussi simple que de savoir ce qu'il faut intégrer de l'informatique à l'enseignement des mathématiques,
les choses. Donc là, on pourrait penser, nous on est plutôt littéraire dans la salle, enfin peut-être pas, enfin en général on est plutôt littéraire sur ces questions-là, on pourrait penser que c'est réglé depuis longtemps. Ça n'est pas réglé au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignements de mathématiques qui ne font aucune place aux connaissances qui sont issues de l'informatique. Donc il n'y a aucun consensus, comme on dit, des scientifiques et des spécialistes sur le corpus qui pourrait être mis en place pour ce type de formation. Bon, alors après, il y a l'autre entrée qui est une entrée beaucoup plus sociale, puisque tu y faisais allusion. Les études du ministère de la Culture montrent qu'il y a en fait maintenant quelque chose qui est une sorte d'inégalité dans l'accès aux modes de culture, puisqu'on a 30% de la population qui est dans les milieux socioculturels défavorisés, qui est sur ce que les gens du ministère appellent la culture de l'écran. Donc eux, c'est l'écran, c'est-à-dire la télévision, le téléphone, certains aspects de l'ordinateur, alors que, pour simplifier, les milieux culturels favorisés cumulent les modes d'accès. C'est-à-dire qu'eux, ils ont à la fois l'imprimé, l'écran, et etc. Dans les milieux populaires, un lecteur, ça n'existe plus. Le père ne lit pas, et un lecteur, c'est une vieille femme. Voilà ce qu'est un lecteur dans les milieux populaires. C'est une vieille femme. Nicolas. Alors oui, je partage. Après, on prendra des questions, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Partage le constat assez négatif sur ce sujet-là. Et en même temps, je pense qu'il faut évidemment partir de là et se demander, encore une fois, dans quelle direction on veut aller. Et sur le plan de l'apprentissage, on fait par exemple parfois référence à ces patrons de la Silicon Valley qui envoient leurs enfants dans des endroits où il n'y a pas de numérique. Et j'ai l'impression que c'est généralement assez mal compris. On peut le comprendre assez facilement comme ça montre bien que le numérique, c'est néfaste. Or, il y a une autre manière de le comprendre et qui, justement, correspond précisément à la richesse dont on a besoin par rapport à un apprentissage. La question du numérique pour ces enfants-là, on pourrait dire, n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire qu'ils auront ou ils ont de toute façon accès au numérique, c'est pas la question. La question pour eux, c'est tout le reste. Donc on va leur offrir une vaste variété d'accès à la connaissance, différentes modalités, différentes disciplines, domaines, et c'est cette richesse-là qui va les construire. Et c'est pour ça que le constat est assez dramatique. Quand on voit quand on voit l'horizon, tu dis. Non, oui, c'est pour ça. Non, je me trompe. Quand on voit le constat assez pessimiste qui est fait par Alain sur la famille, je ne sais pas retrouver le mot, c'est pour ça. La place de la lecture aujourd'hui dans la société française. La place de la lecture. Et donc le fait que le livre finalement n'existe plus, où il est vu comme quelque chose de très lointain. Précisément dans ces cas-là, il faut réintroduire de la richesse, réintroduire de la diversité, de la multimodalité et faire en sorte que l'apprentissage soit le plus varié possible. Mais qu'on soit bien d'accord, si les gens ne lisent pas, ça n'a rien à voir avec la numérisation ou très peu à voir. Ça a plus à voir avec l'école, l'apprentissage, la vie de tous les jours, la télévision en particulier. Il n'y a pas de lien ou il y a un lien de causalité entre le fait que les gens ne lisent pas ou peu et la numérisation du monde, Alain ? Non. À l'origine, non. La tendance existait déjà avant. Mais le numérique, mais ce n'est pas le numérique dans le sens d'aller lire Wikipédia. C'est le numérique dans le sens le téléphone mobile et les applications, les images animées, les jeux, etc. Ça a renforcé le croisement, c'est mal fait. C'est pour ça que j'avais commencé mon topo tout à l'heure en disant que dans une situation où le savoir lire et la lecture est en train de s'effriter, on aurait dû prévoir que l'arrivée de la lecture numérique allait poser problème. Elle ne pose pas problème à tout le monde. Tu as raison de dire qu'elle ne pose pas de problème aux fils des patrons de la Silicon Valley. Mais elle pose des problèmes à ceux qui sont déjà démunis, parce qu'eux sont déjà dans la crise par rapport à la lecture classique. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, poser une question ? J'imagine que vous êtes venu parce que le sujet
vous rendez curieux, n'hésitez pas. On va pas conclure tout de suite, mais ça passe très très vite. Donc, ouais, deux questions déjà. Parfait. On a le temps. Oui, donc monsieur a levé la main en premier. Il va relever la main pour que tu le vois. Ou je sais pas si tu le vois. Ouais, c'est vous. Et derrière. Okay, bonsoir. Merci à bonsoir. Vous. Moi, j'ai une question. J'avais déjà cette question en tête en venant. Qu'est-ce que vous pensez des audio-livres ? Alors, je veux bien faire une petite remarque. Je ne sais pas si vous allez la faire, mais j'ai pu constater par mon expérience que les audio-livres se sont énormément développés dans le monde anglo-saxon, notamment avec l'explosion d'une entreprise qui s'appelle Audible, qui marche très très bien, qui fait de la pub partout, etc. Et que c'est une pratique qui, je ne sais pas pour quelle raison, se développe moins, existe dans les mondes francophones, etc., mais se développe beaucoup moins. Mais je suis sûr que vous pensez plein d'autres choses des audiolivres. Alain, Nicolas. Nicolas. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça correspond à une évolution de la société en termes de vie quotidienne. De mobilité, notamment. Voilà, de mobilité. On fait souvent référence à l'accélération de la vie et au fait qu'on a moins de temps pour se poser. Et donc, s'il y a un problème à cibler, ça serait plutôt celui-ci que de dire que le livre audio est un problème en tant que tel. Bon, moi, je dirais qu'il y a il y a nos situations de mobilité, il y a des possibilités techniques, et ce serait idiot de pas essayer de les utiliser. Ça peut se comprendre assez bien pour certaines catégories de livres de divertissement. Le problème qu'il y a, c'est que là où nous sommes aujourd'hui particulièrement faiblards, c'est pour la mémoire de l'oral. Parce que nous sommes dans des civilisations, dans des sociétés qui ont formé un grand nombre de leurs facultés intellectuelles, qui les ont conformées, et des aptitudes cognitives à partir de l'écrit. Bon. Même dans les générations, mes parents, ils étaient capables d'entendre une poésie et puis d'enregistrer deux vers, trois vers. Bon, moi, j'ai appris, quand j'étais puni à l'école, je me souviens, c'était 12 vers, 24 vers, 48 vers, quand on avait vraiment des trucs, donc il fallait les apprendre. Bon, ça, c'est quelque chose qui a un peu disparu. Donc, quand on est devant la nécessité de travailler d'une manière soutenue, approfondie, de prendre des notes, etc., le faire à partir d'un enregistrement oral, c'est quelque chose qui suppose un entraînement qui existe dans certaines civilisations, hein. Par exemple chez les Indiens, ils sont capables de le faire, mais pour nos pays, ça n'existe pas. Donc c'est forcément cantonné à la lecture d'informations ou de divertissements, à mon sens. Et dernière remarque, pareil par rapport à mon expérience, c'est très très pratique pour les personnes qui ont du mal à lire, donc les personnes âgées, etc. Les tablettes, quand elles sont arrivées, ça a été une manière de lire, mais les audiolivres sont vraiment extrêmement pratiques pour ça. D'ailleurs, ils se sont beaucoup développés en France grâce aux personnes qui font ça pour les aveugles ou les malvoyants. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous avez une autre précision, une autre question ? Ça va ? Ouais. Derrière, il y a une main qui s'est levée. Oui. Ok, on vous a vu. J'ai deux questions à vous poser. Oui. Est-ce que ce que vous avez marqué sur l'écran, la lecture sur écran rend idiot, est-ce que vous le pensez ou est-ce que c'est une question ? Et deuxièmement, je souhaiterais avoir votre avis concernant justement cette lecture sur ces écrans tactiles. Hein. Est-ce que vous pensez que ça puisse avoir une incidence en lisant comme cela sur ces écrans-là, à la différence d'un bouquin, est-ce que ça peut avoir une incidence sur, l'orthographe ? Est-ce que on peut, je sais pas comment vous dire ça, quand on lit un livre, on regarde l'orthographe quand même, la construction des phrases. Est-ce qu'en lisant sur un écran comme ça tactile, on balaye pas
davantage la lecture. D'accord, c'est très clair. C'est très clair sur la manière dont la lecture apporte de la connaissance, l'apprentissage, etc. Donc, question très simple, hein. Est-ce que la lecture sur écran rend idiot? Semble qu'au départ, c'est... Alain l'a mentionné un peu, mais on peut développer. Il me semble qu'au départ, c'est le sujet de la controverse. Ouais. Donc, Alain est allé dans un certain sens. Je répondrai plutôt à la deuxième partie de la question en disant que l'écran en lui-même, comme on l'a vu tout à l'heure, peut poser un certain nombre de problèmes en tant que par rapport à ses propriétés physiques, notamment par le fait qu'il émet de la lumière, ce qui peut provoquer une certaine fatigue visuelle. Mais ce qui rappelle qu'il y a plusieurs types d'écrans. Voilà, derrière, les liseuses, on peut voir typiquement, qu'il y a plusieurs types d'écrans, notamment les liseuses, et aussi il y a un certain nombre de réglages qu'on peut faire. Et par rapport à ce que demandait madame, par rapport à l'apprentissage, c'est-à-dire le fait que c'est clair que des personnes qui lisent beaucoup en général ont un bon niveau d'orthographe, etc. Est-ce que les personnes qui lisent beaucoup sur écran acquièrent des choses de la même manière ou peu ? Est-ce qu'on sait ça ? Et bien là, justement, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la façon dont c'est présenté, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut opposer typiquement une lecture sur une liseuse où on ne va avoir que le texte, uniquement le texte, exactement comme on l'a imprimé dans un livre, et de l'autre côté, une lecture dans une page web avec de la publicité un peu partout, des choses qui clignotent, des vidéos qui se déclenchent, du son qui part. Là, on a deux extrêmes, évidemment. On peut imaginer toutes les étapes intermédiaires, mais on se rend bien compte que d'un côté, on va être beaucoup plus focalisé, ça va être beaucoup plus propice à la concentration, à la réflexion. Et de l'autre côté, forcément, on va avoir beaucoup plus facilement une surcharge cognitive. Mais si on reste dans cet exemple, donc poussé à l'extrême, la liseuse parfaite qui n'est pas connectée à Internet, on est dans un endroit calme, on ne va pas avoir de problème d'attention, etc. Est-ce que l'expérience avec le même livre, mais en papier, est-ce qu'elle est totalement égale ou est-ce que le fait qu'on soit en train de tourner les pages du papier, etc., ça fait une différence dans l'apprentissage, dans le ressenti, dans l'imaginaire ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on arrive à mesurer ? De prime abord, on pourrait se dire que oui, mais peut-être que non, enfin je ne sais pas. Alors, les travaux que je connais sur le sujet, notamment de Thierry Bassineau, montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre le livre papier et le livre numérique sur liseuse. Et donc, il a des travaux sur le sujet assez récemment. Alain ? Oui, la question, c'est est-ce qu'on parle d'une réalité ou est-ce qu'on parle d'une possibilité ? Bon. C'est-à-dire que si on parle d'une possibilité, moi je suis tout à fait convaincu qu'il y a des possibilités fondamentales d'amélioration de la technologie de lecture numérique, quelle qu'elle soit. Bon. Ne serait-ce que si on faisait déjà ce qui avait été prévu avant le web, on aurait déjà une amélioration. Si on croisait ça avec quelque chose du côté des liseuses, etc., on aurait beaucoup mieux. Bon. Le problème, c'est qu'on ne peut pas séparer la possibilité technologique de l'environnement industriel, de l'environnement qui fait la réalité. La technologie, aujourd'hui, se développe dans un modèle économique donné. Et ce modèle économique, il est extrêmement puissant parce que c'est un retournement complet. Classiquement, le commerce des textes, c'est la chaîne qu'on apprenait à l'école de l'auteur au lecteur. Au milieu, un éditeur, un imprimeur, un libraire, un bibliothécaire, une documentaliste. Maintenant, la chaîne est complètement différente. Je pars du lecteur et je revends le lecteur au marketing et je gagne de l'argent. Donc c'est complètement différent. Tant que c'est ce modèle-là qui organise nos pratiques de lecture numérique et qui organise le développement de cette technique, eh bien, cette technique, dans le cadre des lectures industrielles, je réponds à madame, ça rend idiot. D'accord, mais ça, c'est avec l'existant. Mais si on s'extirpait de l'existant et qu'on était dans un monde idéal, si on reproduisait l'expérience au maximum, à part que ça n'est pas imprimé sur du papier, mais c'est numérique, ça n'est pas de l'analogique, c'est-à-dire une impression physique, mais du numérique, est-ce que c'est égal pour l'apprentissage, pour etc., ou est-ce qu'on sait ça ? D'accord.
Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de travaux là-dessus. Ce que les travaux de Bassino que je connais aussi, ils démontrent que les liseuses façon Amazon tendent à se rapprocher du livre en ce qui concerne ce que les spécialistes appellent la visibilité, lisibilité, c'est-à-dire que la lumière est meilleure, qu'on n'a pas. Bon, voilà. Donc ça, disons que si on fait ça et qu'on enlève tout ce qui fait de la surcharge cognitive, ça se rapproche du livre. La surcharge cognitive, c'est les interférences, c'est quoi? Il faut expliquer ce processus-là parce que ce n'est pas forcément évident. J'ai une surcharge cognitive, c'est une notion de la psychologie, lorsque dans l'exercice d'une tâche donnée, je suis affecté par une autre tâche qui me pose des questions. Et tant que je n'ai pas répondu aux questions qui me sont adressées par cette autre tâche qui est différente, je ne peux pas continuer la tâche principale. Donc j'ai affaire à, mais il faut que j'ai répondu à des questions qui tiennent à B. L'exemple classique dans notre secteur, c'est je lis un texte et il y a des liens hypertextuels qui sont indiqués. Et je me demande si je vais cliquer. Même si je ne clique pas, le fait que mon cerveau de lecteur soit préoccupé d'un côté par le texte, d'autre côté par la réponse à la question « est-ce que tout à l'heure je vais cliquer ou je ne vais pas cliquer ?», je suis moins concentré et je comprends moins le texte. D'accord ? Alors évidemment, quand en plus il y a des publicités, des trucs, etc., on est beaucoup plus troublé. Bon. Alors donc on pourrait penser que ce genre de choses disparaissent dans le cadre de ce que tu dis. Bon. Mais il resterait quand même deux questions, mais qui sont des questions qui peuvent être traitées, mais qui resteraient quand même. La première question, c'est la question de la mémoire. Bon, ça, visiblement, il semble que même sur les textes, disons, des liseuses, façon Kindle, il semble que les lecteurs aient des difficultés à enregistrer du point de vue de la mémoire. Bon, ça répond à votre question sur l'orthographe. Il semble bien qu'il y ait une difficulté. La deuxième des choses, c'est que il y a un problème de logique technique. C'est que si on a des dispositifs qui ont toutes les possibilités de l'informatique et du numérique, mais qui les oublient toutes pour ressembler à un livre, à quoi ça sert d'avoir de l'informatique et du numérique? Donc on sait que, de toute façon, on continuera à vouloir creuser ces pistes du numérique. Donc la bonne conception, ce n'est pas une conception qui oublie qu'on a affaire à de l'informatique et du numérique, c'est quelque chose qui permet une aussi bonne lecture que le livre, tout en ayant les ressources de l'informatique et du numérique. Nicolas, on va prendre aussi la question. Oui, j'aimerais juste répondre sur l'aspect mémoire, justement, là. Parce que effectivement, sur le livre papier, on a beaucoup de points de repère dans la page spatialement et aussi dans l'épaisseur du livre. Et ce qui fonctionne particulièrement bien sur le plan de la mémoire, et on n'a pas l'épaisseur du livre sur une liseuse. Et c'est ça qui peut aujourd'hui potentiellement nous poser certains problèmes. Mais demain, quand notre spatialisation elle sera intégrée non pas dans l'épaisseur du livre, mais dans une petite barre qui défile discrètement en bas de l'écran, a priori, le problème sera surmonté et on pourra donc se baser sur cet acquis, comme on l'a vu tout à l'heure dans un exemple, pour être aussi efficace. Donc, a priori, évidemment, nous allons évoluer par rapport à ce qui nous est proposé sur le plan de la technologie. Et je profite juste pour répondre aussi sur le fait d'attendre ou pas d'être dans un monde idéal. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le monde numérique est aussi propice au fait de dire non. C'est-à-dire que on peut faire des choix, comme je le disais tout à l'heure, et on peut les communiquer et développer des discussions sur le sujet pour pouvoir ensemble soit proposer, soit dire non à une initiative ou à une autre, en particulier sur le plan de la lecture industrielle. Ou aller chez son libraire régulièrement pour continuer à l'aider à vivre, voilà, etc. Exactement, l'acheteur dont je parlais tout à l'heure. Monsieur. Alors, je crois que vous avez en partie répondu à cette question quand vous avez abordé la visibilité, lisibilité sur un écran. Ouais. Et je voulais juste savoir, j'avais vu un reportage qui expliquait que quand on lisait sur un écran, on lisait tout simplement moins vite. On lit moins vite. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'on lit moins vite que sur du papier? Question. Alors, c'est une question compliquée parce que
les écrans, ils sont effectivement très, 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 très variables. Il y a beaucoup de types d'écrans, ouais. Et typiquement, sur le plan de la résolution d'un écran, on est en train de passer aujourd'hui à des écrans qui sont suffisamment fins au niveau de la résolution pour qu'on ne voit plus les pixels, les points dans l'image. Et ça, c'est une bascule particulièrement importante parce que précédemment, pour que ça soit facile à lire, on pouvait, sur le plan ergonomique, avoir des consignes nous disant il ne faut pas utiliser telle ou telle famille de caractères parce que ça va être moins lisible dans certains contextes. Et aujourd'hui, ce qui était vrai hier ne l'est plus parce qu'on a un rendu particulièrement fin et donc on va pouvoir utiliser les mêmes familles de caractères qu'on utilise sur du papier. Et donc, potentiellement, on pouvait avoir perdu de la vitesse pendant un temps qu'on peut regagner aujourd'hui. Donc, voilà, ça dépend énormément de l'écran et finalement de la façon, encore une fois, dont c'est présenté. Il faudrait savoir précisément sur quoi portaient les études en question pour pouvoir répondre. C'était les caractéristiques physiques de l'écran, enfin, le fait, ce qui diffère de l'écrit. En termes de finesse, on se rapproche du papier, donc là, pour le coup, la question est réglée. Maintenant, reste pour pas mal d'écrans encore la lumière qui change pas mal les choses. Mais a priori, ce n'est pas forcément lié à la vitesse sur une courte expérience. Par contre, ça l'est sur une expérience plus longue. C'est-à-dire que si on a une lecture prolongée sur l'écran, on va par exemple avoir un dessèchement des yeux. Et potentiellement, on va lire moins vite, tout simplement. Sur la question de la différence entre le papier et, disons, de bons écrans, du type liseuse et pas du type ordinateur, là, il se pose la même question que la vôtre, mais en sens contraire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut lire lentement sans être troublé? Et ça, on n'a pas de données, parce que c'est très, très différent des calculs que fait, par exemple, Bassino ou même d'autres avec les mouvements oculaires. Que lorsqu'on lit un texte un peu sérieux ou un texte qu'on goûte sur un livre, la caractéristique du médium livre, c'est de se faire oublier. C'est-à-dire d'un simple mouvement, l'œil peut quitter la ligne pour aller vers les blancs, peut quitter la page pour aller, donc, et on pense à quelque chose et on revient. Et parfois, on continue à lire sans en avoir conscience. Voilà, quoi. Et on peut continuer. On ne suit pas. Ça, c'est quelque chose qui... Ce que je pressens, c'est qu'on va finir par trouver que ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins facilement avec un ordinateur. Hein, à cause de la lumière de l'ordinateur, c'est pas du tout aussi simple. Lorsque je vois des gens avec des liseuses dans le train, qui sont là, ils sont très, très appliqués à lire, j'ai envie de leur dire, mais c'est pas la peine d'imiter les gens qui lisent des livres quand vous lisez sur une liseuse, parce que si vous regardez bien les gens qui lisent des livres, de temps en temps, leurs yeux s'éloignent de la page, parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de réfléchir. Alors, vous devriez faire encore plus comme ça. Vous devriez encore plus mettre votre liseuse, la retourner, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai un truc comme ça, j'ai un réveil qui sonne le matin, si tu le retournes, ça fait on-off. Bon, je passe mon temps à me tromper, donc il sonne même quand je veux pas. Mais il faudrait un système de ce type-là, arriver à faire en sorte que ça puisse s'éteindre et puis se remettre, etc. Mais c'est pas facile du tout. Il y a même des problèmes sur la manière dont la page arrive. Hein. Elle arrive, c'est moins le cas maintenant avec les nouvelles liseuses qu'avant, hein, mais les liseuses anciennes, la page, elle arrivait, c'était pas du tout la page que tu tournes comme ça. Tu étais là, la page, elle arrive, donc t'oubliais ce que tu venais de lire. Et tout ça, ça va évoluer. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Prenez le micro, comme ça. Non, si, prenez le micro, parce qu'en fait, on enregistre, donc pour que les gens qui... Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, ma question s'adresse à Monsieur Giffard, c'est ça? Alain Giffard, oui. Pendant une poignée de secondes, vous avez évoqué... Les classes populaires ou les milieux populaires, je ne sais plus le terme exact que vous avez utilisé, ouais. Vous avez dit que dans ces milieux-là, hormis les personnes d'un certain âge, la lecture sur papier a quasiment disparu. Statistiquement, hein, évidemment, il y a plein d'exceptions. Vous pouvez apporter quelques précisions, parce que c'était une courte assertion de votre part, ça n'a duré qu'une poignée de secondes. Merci. Oui, on
on fait en France, ça se fait dans d'autres pays maintenant, mais on fait en France depuis déjà assez longtemps une enquête qui s'appelle les pratiques culturelles des Français. Hein, et on les interroge. C'est une enquête qui est faite par l'INSEE, mais avec le concours du département d'études du ministère de la Culture. C'est une enquête qui fait référence au niveau mondial, parce que ce sont les Français qui ont inventé les méthodologies pour ça. Et alors, comme on dit, du déclaratif. Hein. On ne peut pas aller voir les gens mettre des mouchards pour voir s'ils lisent ou s'ils font de la musique ou tout ça. C'est du déclaratif. Mais justement, le déclaratif, il évolue. Hein. On se rend compte si les gens disent plus ceci par rapport à avant. Puisque maintenant, cette étude, on en est rendu à la 6e ou 7e édition. Donc, on est capable de faire des comparaisons. Et donc, cette enquête a montré en 1990 que les Français se mettaient en général, à moins lire des imprimés, que ce soit des journaux ou des livres. Ça a d'ailleurs été un problème pour les enquêteurs, parce que quand ils ont ramené cette donnée-là, on est en 90, Mitterrand était arrivé au pouvoir en 80, c'était son deuxième septennat, il y avait eu un programme de création des bibliothèques publiques, il y aurait la future grande bibliothèque, et les types sont arrivés en disant « mauvaise nouvelle, les Français se mettent à moins lire bon. ». Et en fait, Lang a mis carrément le résultat de l'enquête sous la table, parce que il voulait pas qu'il y ait une contradiction avec la politique. Et c'est par la suite qu'on s'est rendu compte que les choses se ventilaient de manière différente selon les différents milieux socioculturels. Et on s'est rendu compte. Alors les gens du département des études ont regroupé différents, ce qu'ils appellent des modes d'accès à la culture. Alors il y a un mode d'accès où ce qui est dominant, c'est l'imprimé. Il y a un mode d'accès où ce qui est dominant, c'est le mode par l'écran. Et il y a un mode d'accès qui est le mode combiné. Bon, j'en oublie pas. Bon, et donc ce qui est caractéristique des milieux socioculturels favorisés, c'est le cumul des modes d'accès. Hein, c'est-à-dire que la télévision, l'ordinateur, la presse, le livre. Et puis ensuite, les milieux qui sont accrochés simplement au seul imprimé, bon, c'est très très réduit. Et c'est là qu'on se rend compte que dans les classes populaires, ce sont les femmes et les vieilles femmes. Ce sont elles qui lisent. Et ce sont presque les seules qui lisent. Dans les milieux populaires, ce qui prédomine, c'est ce mode d'accès par l'écran. Alors, bon, ça c'est un peu une interprétation des résultats de leur enquête, mais ça fait deux fois que ça va en ce sens-là. Et c'est vraiment une question capitale, parce que avant on avait une continuité au sein d'une société. Au 19e siècle, évidemment, les profs lisaient plus que les ouvriers, ça c'est pas la question. Mais les ouvriers lisaient aussi, et les ouvriers lisaient les mêmes livres que les profs. Et même les ouvriers français lisaient les mêmes livres que les ouvriers allemands. On a des travaux, par exemple, sur les bibliothèques des syndicats allemands et des syndicats français. Et les ouvriers allemands, en cinquième position, ils avaient Jules Verne. Bon. Donc il y avait la lecture était quelque chose qui unifiait les sociétés. D'accord ? Donc on est maintenant, c'est pour ça que je disais, on est maintenant dans un monde dans lequel la lecture n'unifie pas les sociétés, on est dans un monde dans lequel il y a une pluralité des lectures. Bon, les riches, ceux qui sont les riches sur le plan symbolique, je veux dire, hein, les riches sur le plan culturel, eux, ça ne va rien changer du tout. Hein. La lecture comme technique de soi, la lecture comme ouverture vers la vie de l'esprit de Proust, ça ne va pas changer dans les milieux favorisés. Bon, on pourrait gratter un peu plus parce que, bon, enfin, grosso modo, favorisés culturellement. Mais grosso modo, ça ne va pas changer. Mais le problème, c'est qu'on a maintenant une polarisation. Hein. On n'a plus la continuité. Ce n'est plus une question de degré. C'est vraiment des modes d'accès, une espèce d'anthropologie culturelle qui est complètement différente. Pardon, je m'enflamme, mais le sujet est important. Merci pour cette question. La bande dessinée, vous deux. Je ne sais pas vous répondre sur la bande dessinée, mais je suis pas convaincu que la bande dessinée ce soit aussi populaire que ça. C'est certainement jeune, mais je suis pas convaincu que ce soit aussi populaire que ça. Mais je veux pas m'engager parce que je me souviens plus. Ça figure sur l'enquête, mais j'ai oublié. Il y avait madame qui a levé la main là. Dernière question. Allez, c'est la toute dernière. Après, ça sera monsieur aussi.
En attendant que le micro arrive sur la bande dessinée, la bande dessinée est aussi en pleine mutation numérique. Et c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'innovations. Et donc, je vous incite à suivre les travaux notamment de Samuel Petit, qui théorise pas mal de choses dans le domaine, qui a fait une catégorisation des différents types d'interactions qu'on peut avoir avec une bande dessinée numérique, qui pense cette question-là. Et c'est particulièrement enrichissant, justement, pour penser la lecture numérique en général. Merci pour la précision. Madame. En fait, j'ai pensé à cette question avant que Monsieur s'est intervenu. Je pense avoir la réponse sur le fait que c'est les riches. Mais en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a des personnes, sans avoir fait un apprentissage de lecture sur écran, échappent à des inconvénients de lecture numérique? Donc, C'est-à-dire que, en fait, je constate autour de moi, par exemple, je sais que je suis moins concentrée en lecture numérique. Ouais. Donc je préfère imprimer, ouais. Mais il y a mes camarades, je trouve qu'ils ont plus de facilité. C'est-à-dire qu'ils ont plus de facilité avec la lecture numérique qu'avec la lecture imprimée. Vous avez le sentiment autour de vous? Oui. Vos camarades, c'est-à-dire à l'école ou... Oui, je suis étudiante. D'accord. Et donc, donc est-ce que par exemple le fait qu'ils aient eux-mêmes appris à lire sur des écrans, ça fait qu'ils ont une relation? C'est ça votre question? En fait, non, c'est ça. En fait, c'est que... Est-ce que, sans apprentissage de lire sur l'écran, et donc, je me suis dit, donc, c'est la transmission, la richesse, c'est dont vous en parlez, où il y a un processus cognitif qui fait que, ils ont moins de difficultés, on va dire. Ok. Réponse rapide et dernière question, rapide si possible. Oui, ça, je trouve que c'est une super question. Ça, c'est vraiment une question très 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 aiguë. Et je fais souvent de la formation dans les espaces publics numériques et on parle assez souvent de ce genre de questions. Je répondrai par deux choses. Bon, d'abord non, toutes les histoires non, au sens où il y aurait des jeunes ou des générations ou des catégories qui seraient compétentes à cause de leur âge ou de leur localisation ou tout ça. On a beaucoup parlé de ça, de la génération Y, qui serait compétente pour le multitâche, etc. Bon, c'est quelque chose qui, par exemple, aux États-Unis, a été assez radicalement abandonné. Hein. C'est-à-dire que il faut pas du tout surestimer l'aisance apparente que des jeunes ou d'autres peuvent avoir par rapport à ça. Et deuxièmement, je crois beaucoup au dispositif. Vous évoquez celui-là, là, le fait d'imprimer. Bon, eh bien, il y a une étude, c'est l'étude de Ziming Liu, bon, c'est maintenant un peu vieux, qui avait démontré que la plupart des chercheurs, lorsqu'ils avaient à passer à une étude d'un texte dans lequel ils avaient à se pencher, à approfondir le texte, à prendre des annotations et à le travailler de manière approfondie, eh bien, ils imprimaient. Hein. Alors, c'est une étude qui remonte à 5 ans ou à 6 ans, mais je ne suis pas sûr que ça ait vraiment changé. Bon. Donc, la capacité à se faire pour soi-même, à se fixer ses limites et à maîtriser ce qui est en train de se faire, c'est très important. Le plus important, en fait, c'est d'avoir le regard sur ce qu'on fait. Si vous avez le regard sur ce qu'on fait, que vous êtes critique et que vous vous posez des questions, vous n'aurez pas de problème. En même temps, par rapport à ce type de lecture qui peut nous inciter à imprimer, il y a une autre voie qui est peut-être utilisée par vos camarades en question. C'est un certain nombre de techniques qui sont mises en œuvre sur l'écran pour adopter une posture vraiment de réflexion par rapport au texte, se plonger vraiment complètement dedans. Je faisais référence tout à l'heure au mode plein écran sur les ordinateurs en général. Je faisais référence aussi dans les navigateurs, parfois, il y a où on rajoute, soit c'est dedans, soit on rajoute des modes de lecture du contenu seul qui font disparaître complètement les publicités et tout ce qu'on peut avoir en haut, en bas, à droite, à gauche. À ce moment-là, on peut même aller au-delà et bénéficier d'un certain nombre d'outils comme des accès à des dictionnaires qui vont nous donner très rapidement des définitions de certains mots,
des possibilités d'annotation probablement, enfin potentiellement collaboratives, qui peuvent être aussi extrêmement intéressantes. Et donc là encore, on en revient à la question de l'apprentissage de ces différentes techniques. Moi, petit témoignage, pour le travail, je préfère des formats numériques parce que ça me permet d'annoter. Ça me permet, quand c'est un livre un peu compliqué d'un expert, d'avoir un dictionnaire intégré, etc. Et souvent, j'espère qu'on va me l'envoyer. Je le demande en format e-pub parce que c'est un format extrêmement pratique pour les études, le travail, etc. En revanche, je suis incapable de lire un livre pour le plaisir dans un format numérique, quoi. Mais pour le travail, c'est super pratique. Question, oui, monsieur, dernière question. On n'a pas beaucoup parlé de plaisir, c'est vrai en fait. Hein, il faudrait, avant la fin. Oui, c'est plus une remarque. Je trouvais ça intéressant tout à l'heure de dissocier une approche un peu de la réalité d'aujourd'hui, de la lecture sur écran numérique, et de dissocier ça de toutes les possibilités qu'on peut faire, parce que en fait, il y en a un paquet. Mais j'ai quand même l'impression que tout le développement des objets numériques pour la lisibilité, pour la lecture, j'ai quand même l'impression que ça va un peu dans le sens d'un renforcement des inégalités face à la lecture, et que justement ça a été un petit peu évoqué là tout à l'heure. Et inégalité dans le sens difficulté d'accès au matériel, vous voulez dire? Oui, oui, pour le coup, enfin l'accès, non, parce que c'est pas parce qu'on a plus accès qu'on va forcément chercher à y accéder. Mais qu'en tout cas, je trouve qu'il y a un point qui est important à soulever, c'est que faut parler des digital natives qui sont nés après les années 2000 et qui ont baigné dans une culture internet avec des écrans et qui... C'est vous ? Non, je suis un peu plus vieux. Et je pense qu'il y a une construction mentale... je suis pas en train de dire que les digital natives sont plus ou moins intelligents, mais en tout cas, il y a des constructions mentales qui renforcent encore ces inégalités sociales du fait que des gens qui ont grandi avec l'apprentissage des livres et qui ont été un petit peu écartés des technologies numériques vont avoir des modes de réflexion différents de ces digital natives, et je pense que ça crée des difficultés de génération. Après, y a aujourd'hui, je sais pas si dès qu'on croise des professeurs d'école, ils sont tous en train de se plaindre qu'en fait ils n'arrivent plus à concentrer leurs élèves sur des, enfin il y a des gros problèmes de concentration de la part des jeunes, et donc voilà. Alors après, on pourra toujours se dire c'est peut-être parce qu'il faut trouver des nouveaux moyens pour essayer de reconcentrer les gens. Mais enfin, moi, j'ai juste. Mais en fait, votre question est légitime. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu l'objet de ce type de rencontre, c'est de réfléchir à ce que représentent et à ce que signifient ces nouveaux usages pour probablement mieux les adapter, mieux adapter les systèmes éducatifs, etc. Et du coup, ça va être un peu peut-être vos conclusions. Ouais, pardon. Une remarque, j'ai un peu l'impression que. Que quand on aura trouvé peut-être les meilleurs moyens de lisibilité sur tablette numérique ou je ne sais quel objet numérique, j'ai un peu peur qu'en fait que le goût de la lecture aura disparu en fait, et qu'on n'appellera plus ça, on appellera ça peut-être surfer sur des objets numériques pour voir des vidéos et des... Bon, c'est un peu triste, mais en fait je ne crois pas tellement à l'idée qu'on puisse toujours développer des meilleurs objets numériques pour la lecture. Et que quand il faut réfléchir à mettre ou non des tablettes et des ordinateurs pour des jeunes à l'école, je pense que la réponse c'est vraiment non. Construisons-nous avant en dehors de tout ça, et après, de toute façon, l'ergonomie sera là pour que ce soit hyper accessible quand on sera vieux, quand ils seront en âge de choisir de lire ces choses-là, quoi. Allez, un mot de conclusion, en vous inspirant de ces paroles pessimistes ou pas, en réponse ou pas à ça, et après on va devoir arrêter. Nicolas et Alain. Pour moi, ça reboucle cette intervention précisément avec finalement le plaisir dont on vient presque de parler.
On aurait pu parler du plaisir, effectivement, du contact avec le papier, faire le lien avec toute la littérature jeunesse. Il y aurait beaucoup de choses à développer. Là, je pense que ce qui est important par rapport à ce point-là, c'est d'éviter effectivement d'aller tout droit dans cette direction. Dans quelle direction ? Dans la direction, ça rejoint un peu la question sur les livres audio finalement, à laquelle j'avais répondu par rapport au rythme de vie et l'accélération. Là, je pense que cette question, elle fait référence à cette accélération précisément et à la façon dont on va appréhender du contenu dans ces conditions. Et tout à l'heure, je faisais référence au domaine éducatif, à la diversité, à la multimodalité, aux contenus très variés, aux approches les plus variées aussi possibles. Et je pense précisément que pour répondre à cet enjeu-là, ce qu'il faut apporter, c'est précisément ça, c'est-à-dire, par exemple, donner le goût de la lenteur, donner le goût de la contemplation, donner le goût de la réflexion, de la méditation, et donc enseigner le plaisir aussi dans ces directions-là. Ne pas donner que des tablettes. Exactement. Ou ne pas donner de tablettes, peut-être. Alain, le mot de la fin. Oui, apprendre à caresser une page d'un livre. Le mot de la fin, je comparerai les deux questions, deux dernières questions, celle de madame et puis la vôtre, parce que c'est en fait un peu la même interrogation, vous dans l'espace et vous dans le temps. Hein, c'est un peu le même type de question. Moi, je suis bien d'accord. On est dans une période, et pour ça, j'en veux beaucoup au pouvoir public, bien qu'étant censément un haut fonctionnaire, j'en veux beaucoup au pouvoir public, de ne pas comprendre qu'on est dans une phase de transition et que cette phase de transition, elle doit être maîtrisée. Il ne s'agit pas d'attendre qu'à je ne sais quel moment, les lectures industrielles, il leur succède quelque chose d'autre qui nous plaira mieux. On espère peut-être que, on ne sait pas pourquoi, est-ce que les Chinois vont inventer un truc qui va s'imposer face aux Américains ? Est-ce que l'Europe, c'est même pas la peine d'y penser. On est payé pour savoir que ça ne fonctionnera pas par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des contre-courants aux États-Unis ? Pas beaucoup. Et effectivement, les patrons ne voient pas leurs enfants, les patrons des boîtes informatiques ne voient pas leurs enfants dans ce genre de boîte, dans ce genre d'école. Donc, il y a une transition. Il y a déjà des jeunes, des couches sociales défavorisées qui ont été laissées sur le côté de la route. Et là, je n'ai pas le temps, mais je pense avec des effets. Cet aspect-là a eu des effets très, très importants. Et il ne faut pas qu'on continue. Il faudrait que les pouvoirs publics s'efforcent de contrôler, ils ne peuvent pas orienter le processus, mais qu'ils le comprennent, qu'ils arrivent à l'encadrer. Et en retenant sur une des choses qu'on a dites, c'est que la lecture classique, elle nécessitait la concentration et l'attention, mais elle est pas de toute éternité, parce qu'on peut dire quand ça s'est inventé. Ça s'est inventé quelques temps après Jésus-Christ. Donc pour nous, ça fait quand même un petit peu une éternité. C'est-à-dire ça fait plus de 2000 ans que, pour nous, la lecture était l'exercice où on apprenait à se concentrer et on apprenait à exercer son attention. Alors forcément que maintenant, on est entré dans une spirale qui est vicieuse. C'est-à-dire que si on ne donne pas à lire à des enfants parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, ils seront de moins en moins concentrés. Puisque c'était ça notre discipline, dans les exercices de technique de soi, en Occident, ça ne passe pas par des exercices sur la respiration. Ailleurs, ça passe par d'autres exercices, mais ça ne passe pas par la respiration, ça ne passe pas par des choses comme ça. Ça passait par la lecture. Et si on abandonne ça, qu'est-ce qu'on met à la place ? Merci, messieurs. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci aussi aux équipes techniques et à toutes les équipes de la BPI qui ont organisé cette soirée. Et merci à vous d'être venus. À bientôt.